Bonjour à vous tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je vous retrouve donc pour une petite vidéo sur Animal Crossing New Leaf. Aujourd'hui nous sommes à Animalia en compagnie de Bibi qui squatte déjà la vidéo, ça promet. Merci. Merci Bibi. Voilà, au revoir. Comme d'habitude, je sais absolument pas pourquoi je filme cette vidéo. Voilà, c'est juste... je sais pas. C'est... une envie soudaine, juste de vous montrer la ville parce qu'il fait beau. Donc je sais pas encore ce qu'on va faire, mais je pense que comme d'habitude, on va faire un petit tour, voir si par chance peut-être Zaboo me propose un petit projet du genre pergola ou moulin, je sais pas, on a peut-être une petite espérance. Sinon, ouais, on va se balader, on va voir un peu ce qui se passe, quitte à se prendre un petit café, je sais pas, voilà. Je vais déjà juste voir ce qu'il y a comme courrier parce que. D'accord, Rouge pif. Bibi, qu'est-ce qu'elle me dit, Bibi? J'ai acheté ce beau panier à lettres l'autre jour, j'avais hâte de l'utiliser. Non, non. Bon, c'est pas très important. Et Rouge pif. Alors, attends, il me dit: j'ai un doute, quelqu'un m'a appelé tas de muscles aujourd'hui. C'était bien un compliment, hein? Alors, pour moi, oui. Oui, c'est un compliment. Pour moi, oui. T'as de muscles, c'est mieux que t'as de graisse, en fin de compte. Enfin, bref. Je m'enfonce. Alors, mon petit lico d'amour que j'aime, mon chéri, il est là et qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'il déménage, non? C'est ton jour de chance. J'ai envie de faire plaisir à mes fans aujourd'hui. Oh, sérieux? Bah, il commence fort. Oh la vache, un four luxe. Bah, dis donc, c'est pas de la merde, hein. Ah, ça y est, je crois que je vais bientôt... Je vais bientôt conclure avec Lico, là, c'est bon, ça se... Non, mais... Ouais, c'est fort, ça, je commence à peine la vidéo, vas-y, m'offre un four. Et de luxe, s'il vous plaît, c'est pas n'importe quoi. Non, 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 c'est pas de la merde, là. Eh ben, merci, mon chou. Alors, Bibi, bah oui, je l'ai croisé tout à l'heure, je suis con. Y a rien de nouveau par là. Alors oui, je l'ai pas précisé hein, évidemment sur les réseaux sociaux, mais j'ai remis la ville à jour en version normale. Du coup, c'est plus le jeu onirique de Pâques. Hein. Là, vous l'aurez remarqué, j'ai changé les panneaux photos. Voilà, donc ça veut dire que la ville n'est plus à jour pour Pâques. Il n'y aura pas le mini-jeu. Donc là, je savais pas, mais vraiment pas du tout quoi mettre. Hein, je pense que ça se voit. Du coup, j'ai trouvé un motif avec un chat qui gambade parmi les fleurs. Voilà, je me suis fait un kiff, hein, écoutez. Donc voilà, vous aurez un chat. Je sais pas ce que ça donne d'ailleurs, j'ai même pas essayé. Voilà, vous êtes un petit minou qui gambade dans les champs de fleurs. Avec Miro par compagnie. Et qu'est-ce qu'il raconte ce petit bonhomme? Alors oui, je crois qu'il m'a appelé l'ami, j'avais totalement zappé. Le soleil brille si fort aujourd'hui que mes yeux se ferment tout seuls. Oh, il est trop mignon. Alors, salut quoi de beau? J'ai emprunté ça à Margot il y a super longtemps, Momo. Tu crois qu'elle m'en veut? J'ai peur de sa réaction. Dis, si tu vas lui rapporter Margot... Non... Oh, mais vas-y, je vais apporter ça à Margot. Vas-y. Juste parce que t'es mignon, je fais ça pour tes beaux yeux. Hein. Ça aurait été Lico encore. Bon, j'aurais peut-être dit non. Je suis d'une âme charitable aujourd'hui. Hein. Il m'a offert un four de luxe à peine arrivé. Voilà. Bon, si je vois Margot au passage, je lui donnerai. Ça se trouve, elle est par là, je sais pas. Pierrot est dehors. Oh. Extraordinaire. Bon, bah si on voit Margot, hein. Ok, Margot. Margot. La fille qui va chanter pendant toute la vidéo. Margot. Bon, bah c'est pas Margot, c'est Marcel, c'est pas grave. Mais il est trop mignon, regardez, ça fait encore comme dans le bêtisier, là. Il est à peine plus haut que les fleurs. Alors, allez, on se bouge, Spoon. Comment va? Comment ça va? Rah, mon estomac crie famine, Spoon. J'aime trop Spoon. Dab, quand j'ai la fringale me... Ah là, non, j'ai mal lu. Dab, quand la fringale me cueille à Animalia, je me... Ah, une poire. Je suis d'humeur charitable aujourd'hui. Vas-y, je vais te donner une poire. Où est-ce que j'ai planté mes poires déjà? Je veux pas de poires parfaites, je sais qu'elles sont là. Mais mince alors. Où est-ce que j'ai mis mes poires? D'ailleurs, je suis même pas sûre de vous avoir présenté la nouvelle habitante.
vu qu'elle est dehors, on espère la croiser. Bon, alors, est-ce que je me tâte à enlever cette poire parfaite qui est là depuis 2 ans, même presque 3? Je sais pas. Ça se trouve, ça va complètement tomber à côté de la plaque. Bon, vous savez quoi? C'est pas grave. Je referai les sols, hein. Je me décide enfin en ce jour glorieux où il fait beau, où il fait chaud, où il n'y a pas un seul nuage. Voilà. C'est bon, j'ai enlevé cette poire parfaite. Symbole de la ville depuis 3 ans maintenant. Que vous voyez, qui vous a stressé pendant 3 ans dans les vidéos. Ça y est, je l'ai retiré, enfin! Je me suis décidée, oui, oh, une mauvaise herbe. Alors, on va donner une poire. Et pas n'importe laquelle, la poire parfaite. Bouli! Chouette temps aujourd'hui, hein, tout doux. Alors, je peux faire quelque chose pour toi? Tout va bien? Oh, regarde un peu ça, tout doux. Alors oui, c'était une lettre que je lui avais envoyée avec une petite étoile. Le truc, y a aucun... aucune émotion, hein. Voilà. Bon, si je peux croiser la nouvelle habitante ou alors Margot, pour une fois que je voulais pas voir Rouge Pif, je voulais voir Margot, s'il vous plaît. Super fort pour faire un peu d'exercice. Quoi de neuf? Salut, quoi de beau? Tu fais l'objet de pas mal de rumeurs ces temps-ci. Ah bah oui, tu m'étonnes. En même temps que tu serais une... Mais ça fait 3 ans que ça dure, mon gars. Faut peut-être changer de disque à un moment, hein. Encore, tu dirais qu'on a acheté une voiture avec Lico, qu'on est parti aux Bahamas, que... Ok, je veux bien. Ce genre de rumeur me plaît, oui. Bon, Zabou. Elle est où, elle? Elle est à l'intérieur? Je suis en vadrouille. Si vous voulez me voir, venez me chercher. Ah ben oui, c'est vrai que... Oh, il y a quelqu'un au camping. Mais je crois que j'ai plus de place. Donc ça sert un petit peu à rien, mais par curiosité, j'irai voir. Mais Margot n'est pas ici. Margot, chérie, adorée, que j'aime. S'il te plaît. Laisse-moi t'offrir le cadeau de Miro avant que mes voisins de dessus ne me fassent crier parce que j'en ai marre. S'il te plaît. Elle doit être dans les magasins, je pense, hein. C'est rare qu'elle fasse du shopping, quand même, hein. Bon, eh ben, écoute, Miro, hein, peut-être en dehors de la vidéo que je la trouverai. Je ne sais pas. Alors, attendez, c'était qui avait besoin d'une poire? Je sais même plus. Tiens, j'ai parlé à tout le monde, je sais même plus qui voulait de poire. Je crois que c'était Marcel. C'était Marcel. Alors, je peux t'aider? Je l'ai! Allez, c'est bon. Adieu, la petite poire parfaite! Tristesse! Oh, ma petite poire! Attends, ce ne serait pas une poire parfaite, mais c'est LA poire parfaite! Incroyable, je peux la manger vraiment, pas besoin de me le dire 2 fois. Mon dieu! Ah non! Mon petit symbole a fini dans l'estomac de Marcel! Oh, honte à moi! Fais-moi l'honneur d'accepter ce petit sphinx! Ouh! Mais hé, hey, mais c'est pas... Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, les habitants? Ils sont sous une bonne étoile? Vous avez vu un peu les cadeaux qu'ils m'offrent, quoi? Un four de luxe, un sphinx, rien que ça, quoi. Mais je me fais 20 000 clochettes faciles. Non, mais sérieux. Waouh, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont gagné au loto, je crois. Waouh, manquerait plus que Rouge Pif, il m'offre une alliance en or. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais voir au camping ou je vais voir au shopping? La rime de merde. Oui, bon, je vais voir au camping, comme ça on sera fixé, parce que ça me stresse de pas savoir qui c'est dedans. Ça se trouve, c'est un habitant super chou. Suspense. Oh, mais t'es mignon. Joachim. Oh mais non, mais il était trop chou, mais je le voulais, moi. Oh non, mais j'ai plus de place. Oh, je suis deg. Quand j'ai repris mes esprits, je me trouvais dans cette ville. Je me demande combien de bornes j'ai parcouru. 100, peut-être 200. En tout cas, un peu de repos me ferait pas de mal. Mais non, mais sérieux, il est trop mignon, regardez, avec sa tête qui est pas symétrique. Mais c'est trop chou. Mais tu, si tu peux te tourner, s'il te plaît, qu'on te voit, voilà, regardez ses sourcils, mais j'adore. Ça fait un peu en mode, hey bébé. Je kiffe, il est trop mignon. Bon, revenons à nos moutons. Enfin, à nos vaches plutôt, parce qu'on doit trouver Margot, là. Je veux pas me trimballer avec ce cadeau pendant toute la journée. S'il te plaît, ma chérie. Je vais voir dans la rue commerçante, hein. J'irai pas plus loin. Alors, Margot, es-tu là? Margot, go, 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 go. Bon, apparemment, il n'y a personne de ce côté.
Linette? Oh bah tiens, salut ma chérie. Mais c'est pas possible, y a pas un chat. Oui, jeu de mots de merde, c'est pas grave. Non mais sérieux, mais elle est où? Oh, je suis la flemme d'aller dans les magasins, vas-y, moi je vais juste au club MDR. Je vais me défoncer un petit peu avec Ciboulot. Qui est fermé, évidemment, hein. Quand je veux tourner, y a personne. C'est toujours comme ça. Je me casse de cette ville, j'en ai marre. Bon, sérieux. Oh, je suis obligée d'aller aux galeries, là, j'ai pas envie. Ah bon, allez, hop là. Ça c'est fait. Salut mon petit mélo. J'ai pas envie de te voir, mais c'est pas grave. Salut Racine, j'avais pas envie de te voir, mais c'est pas grave. Et y a personne, évidemment. J'allais me taper mes lits. Ah, salut beau parleur. Ta-ta-ta-ta, merci, merci, merci. Est-ce que t'es là, Margot? Dorothée? Non, c'est pas toi que je cherche. Mais c'est pas possible, elle est où? Oh là! Oh, c'est qui déjà, elle? Je sais plus. J'allais dire Rosanna comme l'eau. Non, c'est Rosanne, je sais plus. Je sais plus. Roberta. Oh, j'étais pas du tout, j'avais l'euro. J'avais, c'est tout. Mais moi, je suis pas contente de te voir. Je ne t'aimais pas. Je ne t'aimais pas. Bon, bah j'aurais cru que Margot serait là, étant donné qu'aujourd'hui les habitants ont un goût un petit peu luxueux. Mais apparemment, non, je me suis trompée. C'est dingue, ça, les pouvoirs de la téléportation. Hein. Ah mon dieu, je sais pas quoi faire. Hein. Bon, bah je crois qu'aujourd'hui je ne vais pas voir ma meilleure amie Margot. C'est pas bien grave. Par contre, Miro, je le croise souvent, c'est à croire. Cherche Margot. Cherche Margot. Mais Margot, je la vois pas. Ma plage toujours en bordel, mais ça change pas. Nous ne changeons pas les habitudes. Bon, bah qu'est-ce que je fais? Moi, c'est bien beau, mais... Piro, il est chez lui? Non, apparemment. Mais tout le monde est sorti, mais je vois personne. Enfin, personne de ce que je cherche. Et c'est fou. J'ai besoin de voir des gens, là, s'il vous plaît. Passez-moi du peuple. Miro, oh stop, hein. Il me stalk. Non, mais y a vraiment... Non. Une petite chance, chérie Z. Non, on sait jamais. Allez, aloha, salut. Y aurait-il quelqu'un? Mais c'est pas possible. Mais où est-ce qu'ils sont? Y a une fête quelque part? On m'a pas invité. Sophie, est-ce qu'elle est là, Sophie? J'ai pas vu. Est-ce que, par hasard, y aurait quelqu'un chez Sophie? Ça se trouve, c'est son anniversaire et j'avais complètement zappé. J'en sais rien du tout. Est-ce que... Ou ouais, au pire, hein, je lui file une poire et puis voilà, si jamais c'est le cas. Parce que j'ai rien dans mes poches. Toujours prévoir le coup, hein. Est-ce que Sophie est chez elle? La bonne question. J'en sais rien. Non, mais non, non. Mais tu déconnes. Mais ils sont passés où? Tout le monde est sorti. Mais c'est pas possible. J'ai toqué en plus chez Zabou, elle était pas là. Attendez, j'ai manqué qui là? Il y a un petit problème quand même. Là, ça se trouve, elle est là. Non plus. Donc oui, je vous ai spoilé, c'est Marilou, voilà. C'est un loup bleu qui est trop belle, mais je ne peux pas aller chez elle. Mais mince alors. Miro, bah non, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Je vois que Miro, 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 Miro. Lico, il est pas rentré, mais je le vois plus. Même Lico, il s'est barré, il en avait marre. Mais en fait, je crois, c'est tout le monde qui a fait « Ouais, bah, Jordi, elle va filmer aujourd'hui, on en a rien à foutre, on se casse. » Mais Margot, j'ai même pas fait gaffe, ça se trouve, elle est chez elle, je la charge depuis tout à l'heure. Je me hais. Je la cherche depuis presque 20 minutes. Oh non, mais non. Oh, je me sens trop con à l'heure actuelle. Bon, eh ben écoutez, voilà, ça c'est fait. Oh là là, mais je me sens trop débile. En plus, je suis allée même pas jusqu'à la maison. J'ai même pas regardé si elle était là. Enfin bon, du moment qu'on l'a trouvée, hein. Ah. Alors, Margot. Surprise! C'est quoi, dis, allez. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi, mais je ne te dirai pas ce que c'est. J'adore le poisson, là, qui me mate en mode... Franchement, ça me surprend qu'il ait pris la peine de me rendre ça. Comme quoi, tout arrive. Bon, elle prend la chose plutôt bien. J'ai un cadeau pour toi. Un truc de luxe? Oui, oui, oui. Un cassettophone. Ah oui, non, on n'a pas les mêmes valeurs. Hein. Là, c'est... Non, d'accord. Je retire ce que j'ai dit aujourd'hui. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs.
Alors, maintenant, je pourrais aller dire à Miro que c'est bon, c'est livré, que j'ai passé 15 minutes de ma vie perdue, hein? Oh non, pas toi! Oh, dégage! Oh non, non! Oh, je veux pas aller là. M'en fous, tu restes là, je te refais pas repartir. Hein. J'ai la flemme. Hein. Alors. Bon, ça c'est fort. Miro, il était là pendant toute la vidéo. Ah, bah voilà! Ça va, poto? Il est trop mignon avec son petit bidou. Oh! Tiens, j'ai parlé à Bibi, je sais plus. C'est fait! Merci d'être allé porter le paquet à Margot. Oh non, Momo, si elle m'en veut pour ça, alors elle a dû... Et moi, j'ai pas eu l'impression qu'elle lui en voulait, enfin bon, c'est pas grave. Ou alors j'ai mal lu, hein. Salut, mon amour. Avec un ton pareil, on se dit qu'on a vraiment de la chance, tout doux. Alors je... Ah ben oui, c'est vrai, le tout doux, je lui ai parlé, oui. Je perds la tête, hein. Quel temps magnifique, une journée idéale pour mettre son linge à sécher. Oui. Il va prendre le soleil et je vais retrouver tout chaud et tout moelleux, le grand luxe, quoi. Avec les petites culottes et tout. Ouh. Bibi est folle aujourd'hui. Bon, eh ben écoutez. Voilà quoi. Lico, bah, t'étais passé où toi? Mais il veut me parler tout le temps aujourd'hui, c'est quoi le délire? Tu sais quoi, Diva, le sol délabré que je me trimballe là. À l'époque où c'était à la main, j'en ai ramassé plein maintenant. Bon, alors, je crois en fait que les habitants se sont fait un kiff. Ils se sont fait, non mais. Alors, au début de la vidéo, on va donner que des articles de luxe. Puis quand elle arrive à la fin, vers 20 minutes, ben on lui donne que de la merde. On lui donne que des trucs qui valent rien, du genre un cassettophone et un sol délabré. Et en plus, je paye. Ben vas-y, de toute façon, voilà. Comme ça, moi, je refile le sol délabré à Cassie ou à Johanna. Bisous les filles, hein. Voilà votre prochain cadeau d'anniversaire. Alors... Oh, j'adore les petits papillons. Bah oui, mais c'est tout, j'ai tout fait là. J'avais pas vraiment de mission aujourd'hui, mais c'est pas bien grave. J'ai vu qui était au camping, c'était une petite souris trop mignonne. Oh, il y a quelque chose qui va pas là. Non, 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 je suis pas d'accord, hein. Oh, il y a même un trou. Non, mais oh. Mamie Jordi, elle laisse sa ville à l'abandon là. Rien ne va plus dans cette ville. Voilà, un petit géroïde qui était là où il fallait pas. Une petite mauvaise herbe en plus, ça voit que je joue pas. Hein. Oh, un trèfle à quatre feuilles, sérieux? Bah dis donc, c'est mon jour de chance. Mais sérieux, j'aurais jamais cru, quoi. Il fait beau, j'ai des articles de luxe, j'ai le trèfle à quatre feuilles, tout va bien. Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ah, ne clique pas sur les boutons. Ce sont des faux.